L'aîné des documents poursuit son petit bonhomme de chemin avec ça. Philosophie. Tout de suite, la philosophie sur l'estrade. C'est clair, quand on est un jeune prof de philo, mieux vaut être philosophe. Archéologie. 16h35, les cités perdues des Mayas. De nouveaux rebondissements dans l'enquête sur la disparition des Mayas. J'ai toujours trouvé que l'enseignement de la philosophie en classe terminale était quelque chose d'extrêmement difficile parce que c'est très abstrait et donc ça demande vraiment un niveau d'intelligence abstraite très, très élevé. Et en même temps, si on n'en saisit pas les enjeux, ben c'est, on reste vraiment dehors. Et encore une fois, moi le premier, j'ai eu le sentiment pendant ma classe de philosophie de rester complètement dehors. Je suis votre professeur de philosophie. Je m'appelle Charles Pépin et on va commencer tout de suite par le questionnement qu'on poursuivra tout au long de l'année, à travers toutes les notions du programme. Qu'est-ce que la philosophie ? C'est du vent. C'est des grosses théories idéalistes, comme on reprend le terme de Pierre-Yves, mais ça sert à rien. Enfin voilà, quoi, c'est pour vous aider à réfléchir, c'est tout. Sinon, les grandes phrases qu'on sort, que tous les philosophes sortent, mais c'est vraiment, ça sert vraiment à rien, je suis vraiment désolé, quoi. Si tu réfléchis pas, tu peux pas agir après. Réfléchir. Mais réfléchir à quoi ? Si tu réfléchis pas, tu peux pas agir après. Réfléchir, mais n'importe quoi. Mais... Non, mais si, prends-les. Ils réfléchissent sur des trucs qui sont peut-être un peu inutiles aussi, enfin, moi c'est mon sens. Ils sont prises de tête pour pas grand-chose finalement. Oui, carrément, ils cherchent la petite bête, là. Ils sortent des grandes phrases qu'il y a pas la moitié qui comprennent. Je trouve ça intéressant cette expression grande phrase. Qu'est-ce que c'est une grande phrase ? Ils emploient des termes qui nous... Ben déjà, les vieux auteurs, enfin, les vieux philosophes, du vieux français, là, on comprend à moitié ce qu'ils racontent. C'est tissé pour que le commun des mortels, ils y comprennent rien. Oui, ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est vraiment mal exprimé. Non, c'est très... Non, mais c'est trop bien exprimé, donc c'est mal exprimé. Comme les textes de loi, alors, pour revenir à la loi, quoi. C'est pareil. Comme les textes de loi, c'est écrit dans une langue qu'il n'y en a pas la moitié qui savent le comprendre. Exactement. C'est une langue, c'est le français, d'accord, c'est ce qu'on parle, mais en... Mettre les mots les uns après les autres, on ne comprend plus rien à la sortie, quoi. Non mais, rien que dans les textes que vous nous faites étudier, chaque fois vous dites, bon bah ça on va le reprendre plus simplement, en clair ça veut dire que... Et à première lecture, nous on n'avait rien compris. C'est parce qu'on a... On a même vous, vous reconnaissez que c'est un peu du vent, alors. Ouais, c'est pas tant que c'est du vent, c'est que ce que je veux dire, c'est que c'est pas un monopole d'une élite, d'un petit cercle qui écrit dans un langage complètement hermétique. C'est qu'il s'agit bien plutôt d'un exercice de la réflexion approfondie que tout le monde peut faire, bien sûr. Donc on pourrait reprendre cette phrase qu'on avait vue avec la vie de Socrate, de Lorca, L-O-R-C-A. Le charme de l'auberge réside dans le chemin qui y mène. Peut-être que c'est ça. Que peut-être qu'au bout, effectivement, il y aurait cette sagesse, cet apaisement, ce détachement. Et peut-être qu'effectivement, au moment de sa mort, alors qu'il est vieux et déjà condamné, Socrate, il a cette sagesse sur le mode de l'apaisement ou du détachement. Mais l'essentiel de l'activité philosophique, c'est pas cette auberge qui est au bout du chemin,
c'est le chemin lui-même. Et c'est alors que ce chemin, eh bien, c'est le chemin du désir de connaître, du désir de rencontrer le monde et de rencontrer les autres. Et c'est pourquoi le sage, il semble avoir éteint en lui ce désir. Il semble ne plus être ravagé, habité, travaillé, attaché par ce désir. Et voilà pourquoi on peut le présenter comme l'anti-héros, et de là, comme l'anti-héros. Mais nous, ce qui nous intéresse dans la philosophie, c'est l'héroïsme de cette activité de mise en doute, de mise en question, de mise en perspective, insistante à la manière, je vous le répète, de Socrate et de cet insecte qui revient à la charge sur le flanc d'un cheval. Et maintenant, comprenez la métaphore. Le flanc du cheval, c'est l'aspect massif, lourd, rugueux, c'est l'opinion commune, c'est le sens commun, c'est ce qui nous arrive et qui nous matraque, qui nous bombarde, qui est lourd, quoi. Comme d'ailleurs l'information qui vient des médias en ce moment. Eh bien, le philosophe, peut-être qu'il a un rôle mineur, c'est comme le petit insecte qui vient piquer à des endroits précis, mais il revient, il énerve, il insiste, il questionne, et donc il réveille. Veuillez vous avancer dans le fond, s'il vous plaît. J'ai commencé à Montargis, où je donnais des cours de kung-fu et de philosophie en même temps. Ensuite, j'étais à Charleville-Mézières, sur les pas de Rimbaud, donc c'est ce qui m'a fait tenir, j'avais un mi-temps. Ensuite, j'ai fait l'Oise, donc Méru, Beauvais, et là, Montataire depuis 2 ans, en zone 106 des Zèbres. Un ami qui est professeur à Henri IV à Paris. Je lui dis, tiens, je vais être dans un lycée public, zone sensible, ZEP de banlieue. Et il me dit, tu sais comment les sénateurs l'appellent, parce qu'il a des amis qui fricotent avec le Sénat, tu sais comment les sénateurs appellent ce genre de lycée? Des réservoirs à bourrin. Et ça m'a vraiment démoralisé. Je me suis dit, ça m'a mis en rage. Bonjour. 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 Ce que je pensais de la philo avant, c'est toujours pareil maintenant, en fait. J'ai toujours su que c'était un peu une matière qui nous permettait de penser, mais au-delà de notre... pensée qu'on a comme ça, notre pensée, celle qu'on... d'aller au-delà de la vraie pensée, en fait. Est-ce que je peux se penser de la philo, vu que... j'en ai fait pendant 3 ans de suite. J'ai vu que c'était... j'avais arrêté les deux premières années, j'ai pas trop aimé. Et j'ai trouvé goût à la philo à partir de cette année, avec, grâce à Vincent. Parce qu'il m'a montré... on en avait une autre manière de faire la philosophie. La plupart de ce que je faisais avant, c'est on nous donnait un texte, genre, je sais pas, Platon, comme ça, on notait, on écrivait, on essayait de savoir ce qu'il disait, quoi. C'était pas la vraie philo. Que cette année, on fait plus, c'est plus général. On nous donne un, genre, un thème, et puis avec un thème, quoi. Et puis après, on bosse dessus, c'est structuré, tout ça. Il y a plus de méthodologie, etc. On y va. Quel est le pouvoir du langage? Par exemple, si vous faites de la vente plus tard, vous voulez vendre, je sais pas, quelque chose à une femme d'une quarantaine d'années, etc. Vous allez pas la tchatcher en disant, mais ouais, vas-y, achète ça, je sais pas comment tu dirais. Mais non, t'as des cheveux d'hiver, toi, c'est... t'as des cheveux faits d'hiver. Tu peux pas lui dire ça, elle va rien comprendre. Non, je vais parler correctement dans le langage commercial, monsieur. Utiliser des mots pour que bien qu'elle soit prise, pour bien qu'elle m'écoute. Mais est-ce que tu vas t'adapter à sa façon de ben voir? Oui, je vais pas... Je vais pas ça dépend de l'âge. Si je vois une vieille, je vais pas lui dire « Écoute, prends-moi ça » ou voilà. Je vais parler correctement. Tu vois déjà langage, je la vous voyez, le monter, que je suis poli, tout ça. Il faut la... D'accord. Donc pour séduire, on est obligé de se mettre au même niveau de la cible. Pour manier la personne, il faut bien manier les mots. D'accord. Donc en fait, il s'agit vraiment d'une force de manipulation mentale. Voilà. Donc notons ça, hein. Le langage est un pouvoir de manipulation mentale. Possède un pouvoir de manipulation mentale.
Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres façons de manipuler? Est-ce que vous-même, vous êtes un peu manipulé par le langage? Chut, s'il vous plaît. Et chaque quartier a son langage, donc par le langage, on va s'identifier à un groupe. Je ne sais pas en quoi vous subissez le pouvoir du langage. En quoi vous êtes des victimes, vous? Pour les sortir de leur indolence, le meilleur moyen, effectivement, c'est la provocation. Faut pas tomber trop là-dedans, ça devient un travers. Et après, les élèves, c'est un peu, ils sont immunisés, et ils rigolent doucement. Mais c'est vrai qu'essayer d'apporter des thèses hyper provocantes ou de leur dire, mais vous êtes des lâches, vous voulez pas réfléchir. Ça m'est arrivé, par exemple, je leur demande un exercice, ils le font, mais mollement. Je leur dis, mais vous êtes des lâches. Ils comprennent pas au début, mais attends, on n'est pas des lâches, on a la flemme. Et je leur montre bien que vous avez la flemme, non, vous avez peur. Vous avez peur de réfléchir, vous avez peur. Et ça les sensibilise. Je leur touche vraiment, je touche leur narcissisme. Entrer dans leur narcissisme et provoquer. Vous êtes manipulés, deux manipulés. Vous êtes des gogos. N'importe quoi. Vous avez parlé d'inspiration. Oui, mais maintenant, analyse. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est pas de l'analyse. Non, t'as dit ce que dit la pub. T'as dit que c'était bien, plutôt. Tu as pas dit en quoi c'est manipulation cette pub. T'as dit elle est bien, elle dit... T'es manipulée. Bah elle est bien parce que... Mais si on doit dire les arguments qu'elle utilise... Oui, quel argument elle utilise, ça c'est la description. Tu dois décrire la pub, quel argument elle utilise et tout ça. Mais tu dois aussi dire que c'est une pub et donc qu'est-ce qu'elle met en place pour faire quoi? Est-ce que c'est vraiment pour la discrimination et tout ça? À vous de réfléchir, je vais pas vous mâcher le travail. Quand je veux transmettre une idée, je sais qu'il faut y aller par plusieurs couches. C'est comme le ripolin, c'est comme la peinture, il faut mettre plusieurs couches. La première couche, c'est l'urgence. Cette idée-là, Platon, Kant, ou même un concept, c'est quelque chose d'urgent pour vous compreniez votre vie, etc. Deuxième couche, c'est magistral. Je leur explique vraiment, en détail, une théorie, un concept, et vraiment, c'est moi, le professeur. Et troisième couche, l'humour. Et si on analysait l'expression gros mot, c'est comme si c'est un mot qui est gros. C'est un mot qui. C'est un mot lourd. C'est un mot qui est lourd dans la phrase. Ça veut dire quoi? Un mot qui est choc. Un mot qui pèse. Ah, qui est lourd, qui est gros, qui est massif. Comme il a dit. Comme toi. C'est un gros mot, c'est ça? Hein? C'était un gros mot. Voilà, si vous voulez, mais un gros mot, c'est un mot qui est exagéré. Un mot exagéré? C'est-à-dire? C'est un mot vexant, putain. Un mot qui n'est pas gentil. Exagéré comment? Quand tu dis. Non, un gros mot, c'est pas un mot. Un gros mot, c'est pas un mot qui est vulgaire. Mais t'es bête. Non, c'est pas un gros mot, ça. Ah, t'es con. Ah oui, ça, c'est un gros mot. Alors, c'est quoi la différence? C'est que. Non, non, je connais, non, non, mais c'est. Je sais que vous en connaissez. Mais attention, si on parle de gros mots, on parle d'insultes. Donc, c'est. Bah, on va essayer de noter ça déjà. Les insultes dépassent, dans une dispute, dépassent notre pensée. Donc ce n'est pas la raison qui les a motivés, ces insultes, ce n'est pas la raison. C'est passion, non? Passion, excellent. Bah oui, raison, passion, Salut, Météo France a lancé un bulletin d'alerte pour ce qui concerne plusieurs départements du sud de la France. 8 départements, en l'occurrence l'Hérault, le Gard. Le bulletin d'alerte est maintenu ce matin. J'étais en cagnotte à Louis Grand et puis ça me gênait pas de venir dans un endroit un peu paumé. Je pense que je ressentais pas le désir d'aller dans des endroits prestigieux ou je sais pas quoi. J'avais plutôt un désir de liberté et d'aller vers peut-être des gens ou des choses simples, je sais pas comment dire. Et j'ai des amis à Paris qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fous là? Viens en ville, viens à Paris, c'est là que tout se passe. » Puis même sur le plan de la vie privée, parce qu'on s'imagine que c'est le désert. Mais le côté radical de cet, j'allais dire engagement, mais c'est pas vraiment... de ce choix me plaît. Je crois que j'aime bien les situations. C'est un peu comme un défi ou une difficulté. C'est aussi assez romantique et ça me plaît comme ça. Quand je prends la route pour aller au lycée, j'ai l'impression que je pars en randonnée ou en pique-nique. Tellement c'est beau.
Donc, c'est un peu grisant. Ah, c'est une citation de Plotin. Peu importe, après tout, d'ailleurs. Hein. Les plus belles statues sont les plus vivantes. Et un homme laid vivant est plus beau que la statue d'un homme beau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de se demander qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi il dit cela. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà? Essayons de reformuler, même si c'est... Même si on dit la même chose, c'est pas grave. Déjà, ça nous met dans le bain. Un homme vivant est plus beau que la statue d'un homme beau. C'est toujours encourageant. Autre exemple. Apollon. D'accord? Eh bien, je vous pose la même question. Cet Apollon, vous connaissez tous, toutes, pardon, des statues d'Apollon. Cet Apollon-là, je vous demande, pareillement, d'envisager la relation qu'il peut y avoir entre la beauté de cet Apollon et la vérité de la culture grecque. Que vous évoquez l'idée d'un bel homme, je vous écoute. Ça nous évoque l'idée d'un beau corps, forcément. Ouais. Et donc, ça nous évoque des désirs. D'accord. Mais comme on n'est pas des animaux, on est et que c'est qu'une idée, on est forcément amené à interroger ce désir, enfin, ouais, à le questionner. Et donc on peut se demander si on ressent un désir pour le corps de l'homme en particulier, enfin, comme si on le voyait, si on l'avait face à nous, ou alors si ça nous évoquait plutôt justement l'idée du beau corps, ouais, si on était sensible à cette idée générale, universelle. Mmh. L'idée d'un beau d'un bel homme pourrait nous évoquer un idéal de beauté universelle. Comprenez bien où je veux en venir. Si la vérité préexiste à la beauté, elle n'est pas très importante. C'est juste la forme sensible d'une vérité qui n'est pas sensible, qui est spirituelle, parce que c'est des valeurs. Mais si c'est plus compliqué, si la vérité, elle préexiste pas à la beauté, si on a besoin de la beauté pour accéder à la vérité, ça veut dire que l'art est un besoin essentiel de l'humanité, et que du coup, le rôle de l'artiste est tout autre. C'est cette piste que je vous demande de creuser. Je dis pas que c'est comme ça que les profs de philo doivent être, mais c'est vrai que moi, j'ai souvent l'impression de monter sur l'estrade, même si c'est déguisé, hein, comme si je m'allongeais sur un divan en quelque sorte. Même, mais évidemment, c'est déguisé. Elles-mêmes peuvent pas du tout imaginer que je le ressens comme ça. C'est déguisé à travers un cours structuré, avec des parties, avec jamais je dis jeu, ou alors c'est un jeu philosophique. Néanmoins, sur ces notions, l'art, la liberté, l'existence, la mort, le désir. En fait, je crois que 9 phrases sur 10, c'est des trucs que je me demande, des questions que je me pose vraiment, qui m'habitent et qui me travaillent vraiment. Et surtout, je dis pas que j'y pense tout le temps, mais en revanche, quand j'en parle, j'y pense vraiment. Bonjour. Ah, bah vous êtes déjà là. Vous êtes dans le noir ? Ça va ? Pourquoi la beauté du vivant serait-elle supérieure à la beauté de l'art ? Hein, c'est quand même l'hypothèse dont on est parti. Pour vous, les collines, les montagnes qu'il y a autour, est-ce que ça vaut les œuvres d'art ? Quand vous êtes par exemple sur une des crêtes ici d'Ardèche, vous trouvez que c'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est beau ? Est-ce que c'est beau d'abord ? Et si c'est beau, pourquoi ? Par exemple, le paysage de montagne, on voit la chaîne des Supes, Gerbier-le-Mézin, là, et tout ça.
Vous trouvez ça beau, je suppose? Et tous, voilà, l'unanimité. Alors, le Mézin fait l'unanimité. La Joconde, non, mais le Mézin, oui. Donc, si vous trouvez que la chaîne des sucs est plus belle que la vallée, c'est qu'il y a des choses dans la nature qui sont plus belles que d'autres. Et je voudrais comprendre pourquoi. Non, mais dans la vallée, là, il y a des constructions, donc... Oui. C'est pas la nature... Et c'est parce qu'il y a ces constructions que c'est moins beau? Oui. Non, mais dans la vallée, t'as quand même des trucs 100% naturels qui sont jolis. Non, t'as la route. Non, tu t'arrêtes au bord de la route, tu regardes des endroits, des fois t'as des petites cascades non, et tout. Ouais, mais c'est de la nature. Eh bah oui, c'est la nature. Oui, donc Florian, finalement, ça ne serait beau que quand c'est naturel. À partir du moment où il y a une maison, ça perd un peu de son charme. Bah ouais. Il y a des maisons qui sont jolies, mais... Il faut qu'elles soient bien intégrées. Voilà. Oui, les maisons seraient jolies quand elles seraient bien intégrées. Voilà. Vous m'accordez que les maisons, c'est des productions de l'être humain. On peut dire de l'esprit humain, puisque il a bien fallu avoir un esprit pour concevoir ces maisons. Est-ce que ça veut dire que les productions de l'esprit humain ne sont belles que dans la mesure où elles disent, elles expriment par leur forme même, ces maisons, elles sont en lauze, elles sont en pierre, elles ont des matériaux naturels, elles ont les couleurs du paysage, que dans la mesure où ça exprime que cet esprit humain lui-même n'est qu'une petite partie de la nature, qui doit s'harmoniser avec la nature, s'insérer dans la nature. En fait, j'ai toujours eu des élèves dans des milieux comme ça, un peu... je dirais où il y a une grande implication dans le concret, parce que soit en Lorraine, c'était des milieux industriels où ils étaient enfants de mineurs de charbon. Et donc c'est pareil, il y a aussi une certaine rudesse. Soit ici, où il y a cette vie dans les montagnes. Faut pas que vous ayez crainte de dire quelque chose de faux, parce que dans ce domaine, vraiment, on peut soutenir les deux. Le philosophe Hegel, par exemple, dit que n'importe quelle production de l'esprit humain vaut plus que la nature. Il soutient que, j'ai juste relevé une citation, je la lis. Même, il écrit ceci, Hegel. Même abstraction faite du contenu, une mauvaise idée, comme il nous en passe par la tête, est plus élevée que n'importe quel produit naturel. Car en une telle idée, sont présents toujours l'esprit et la liberté. Vous voyez, thèse de Hegel, ça revient peut-être à ce que dit Guillaume. N'importe quoi qui vient de l'esprit humain, même une bêtise qui vous passe par la tête, vaut plus que toute la chaîne de l'Himalaya. Je sais pas, j'aime pas. C'est l'effort de penser. Je pensais que ça allait être mieux que ça, plus intéressant. Ça n'a pas plu. Mais ton ami dit, la philosophie, c'est penser par soi-même. Et tu dis, moi, penser par moi-même, ça m'intéresse pas. Peut-être ma gueule. Mais non, mais attends, la question... On pense tous par nous-mêmes. On nous demande de penser ce qu'on pense et de penser le contraire aussi. Il faut se mettre à la place des autres. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie, je suis fier de ce que je pense. Celui qui va s'amener avec un peu de culture, un peu de connaissance et la bonne volonté de travailler va être vilipendé par les autres et va être traité de faux cul, de lécheur de prof comme ils disent vulgairement et voilà, de faillot. Donc le but c'est plutôt d'être le plus ouf et le plus con plutôt que d'être le plus intelligent et le plus brillant. C'est ça qui est dramatique dans ce genre de lycée. C'est qu'il y a une sorte de nivellement par le bas où on est ravi d'être l'abruti de service et de faire partie du plat de nouilles. Donc Mohamed, un exemple d'amélioration morale au XXIe siècle. Morale, qu'est-ce qui fait que moralement, on est mieux au XXIe siècle dans les siècles précédents? Les textos. Bon, j'ai un devoir moral, je vous quitte. Non. Les élèves de ZEP ont besoin de show, de spectacle. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils deviennent acteurs. Mais pour qu'ils deviennent acteurs, il faut d'abord qu'ils commencent spectateurs, sinon ils dorment. Hein. Vous connaissez le système, on choisit d'abord ensemble un thème, le thème que vous voulez aborder et qu'on n'a pas encore abordé, ou pas trop, ou que vous avez envie de creuser. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être du pur délire également. Ça peut être les téléphones portables. Je vous dis, dans l'autre salle, on a fait l'homosexualité. Naît-on ou devient-on homosexuel? Donc on peut faire des thèmes hors programme, sachant que ça traitera du programme de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Un thème, pas plus, un thème par table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour la mort, 1, 2, 3, 4. Pour le bonheur, 1, 2, 3, 4, 5. Pour la télé-réalité,
1, 2, 3, 4, combien ? 1, 1. C'est un super sujet. C'est super. Parce que c'est une mise en abîme. Hein, c'est un miroir. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes dans la, un peu dans la télé-réalité, finalement, et on va faire un cours sur la télé-réalité. Peut-être que ça s'est jamais fait en France, ça, justement. Des penseurs qui pensent la télé-réalité en étant également en prise avec les caméras. Intéressant. Le but, c'est de faire douter, de faire réfléchir, de la remise en question, le combat contre les préjugés, contre l'époque, savoir si c'est soi qui pense ça ou si c'est l'époque qui nous dit de le penser. On a tellement de buts nobles qu'effectivement, si on est un petit peu démagogique au début pour accrocher, ça me paraît pas grave. J'ai envie de jouer à nos gens. On est vrai, t'es mars. Yeah. Ah. Aujourd'hui, la banalité bête, idiote, crue, n'est plus objet de curiosité. Je suis sûr que ce matin, vous avez pris votre douche, vous avez fait votre rituel, prendre la douche, se laver les dents, je sais pas ce que vous faites le matin, mettre la tête dans le café et aspirer, faire des tartines, tout ça, c'est automatique. On est dans le pur automatisme, on réfléchit même pas sur ce qu'on est en train de faire. Mais tout d'un coup, avec la télé-réalité, tout ça va prendre un sens. Les choses les plus banales, et là, il y a quelque chose de très philosophique. Parce que, rappelez-vous un peu ce que c'est la philosophie, c'est l'étonnement. Notons bien, la télé-réalité exploite ce filon. C'est une sorte de ruée vers le banal, comme une ruée vers l'or. Hein? Puisque finalement, le banal est tellement peu perçu qu'il en devient extraordinaire. On l'oublie tellement, on a des sortes de d'œillères qui nous empêchent de le voir, qu'il en devient extraordinaire lorsqu'on le montre à la télévision. Oui, mais c'est sûr que c'est un luxe de pouvoir jouir de cette liberté de parole. C'est même un peu vertigineux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'instances de contrôle quand même, objectivement, de ce qu'on dit. C'est aussi une responsabilité très sérieuse. Et du coup, si j'ai l'impression d'en faire mauvais usage, honnêtement, des fois, j'ai des remords. Je crois qu'il y a deux façons de voir la pédagogie. La pédagogie de la rupture, une grosse claque dans la tête. C'est quoi la philo ? Je comprends pas. Et ils ont peur, et ils doivent faire avec, il y a une sorte d'instinct de survie qui va venir. Et puis, il y a la pédagogie de l'éveil. On les brosse dans le sens du poil, on leur dit « Vous en êtes là, on va essayer d'arriver là », on leur donne des petites étapes. Et moi, je suis vraiment pour une pédagogie du réveil. Il faut les réveiller, il faut pas les éveiller. Il faut les réveiller. Est-ce que il n'y a pas une sorte de responsabilité à trop les inquiéter ? Moi, par exemple, ce que j'ai reçu comme enseignement, c'était un message de type hegelien, réalise-toi dans la vie, passe à l'acte, fais des œuvres, et que autrui va reconnaître pour te renvoyer une image de toi. Et je vois 10 ans après que ce prof-là, il avait l'intelligence d'adapter sa sensibilité et sa conviction avec un discours qui ne soit pas dangereux pour des gens de 17 ans, avec un discours qui puisse aider des gens de 17 ans à s'orienter dans l'existence. Chacun d'entre vous, c'est déjà bien que vous ayez cette ambition, j'espère, de se bricoler son petit système de vie, plutôt que de gober celui qu'à coup d'entonnoir, on va vous faire avaler. Bon, si vous essayez de vous faire votre petit système, vous voulez que votre système soit vrai, soit correct, et non pas que ce soit des fadaises, des niaiseries ou des trucs faux. Du moment que moi je suis convaincue. Il y a une exigence de vérité. J'en ai rien à faire de ce que peuvent penser les autres. Mais c'est pas ça le problème. Du moment que c'est ma vérité. Non mais ok, mais tu veux que ce soit la vérité. Tu veux pas que ce soit ta vérité, tu veux que ce soit quelque chose qui soit vrai quand même. Vous comprenez l'exigence de vérité ? Bon, on rentre le soir, on dit ouais, cool, on a appris un nouveau truc au philo, qu'est-ce que t'en penses ? Et puis voilà, on discute 2 minutes dessus.
Et en principe, on n'a pas les mêmes opinions. On questionne nos parents. Bon, avec de l'expérience, comme disaient les autres filles, ils nous donnent des exemples. Et ils comprennent ? Pas toujours, des fois. Des fois, c'est un peu... c'est... Enfin, je sais pas comment le dire, mais... tout le monde n'a pas suivi. Enfin non, je sais pas, c'est rien. Bien souvent, nos parents, ils ont pas vraiment cherché à approfondir le sujet, donc c'est une idée qui arrive comme ça, tout de suite. Ça se fait tout seul, puis je sais pas. Et eux, ils balancent leur truc, ils sont complètement bornés dessus, ouais. Et toi, t'essayes d'approfondir, et puis tu te fais jeter. Carrément, quoi. Non, tu te fais pas jeter. Ouais, je me fixe certains buts, qui s'est pris le goût aux échanges d'idées, aux dialogues, et à la valeur de la remise en question, au fait que... Le but n'est pas de chercher à accumuler des certitudes, mais au contraire, de vivre dans une espèce de liberté. Peut-être, c'est pas une grande sécurité, c'est pas un grand confort mental, mais de préférer peut-être cette aventure intérieure au confort mental, au conformisme. Oui, mais moi, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que des fois, c'est une illusion, on ne peut pas faire ça. Butiner, cette idée-là me va, puis celle-ci me va, et sans voir qu'en fait, elles sont incompatibles au niveau d'une analyse métaphysique, au niveau existentiel. Le truc, c'est pouvoir vivre bien. Est-ce que c'est ça le but ? Bah, pour moi, oui. Est-ce que le but, c'est de vivre bien ou de penser vrai ? Ah, moi, c'est de penser ce que je pense être vrai. Ce que pour moi, après, je suis. Si penser, c'est plus important que vivre, ben. Bah oui, parce que si je veux vivre bien, moi, je vais prendre ma carte du parti et sauver ma peau. Mais vous ? Eh ben vous, mais vous, vous agissez comme ça, mais les autres agiront peut-être pas comme ça. Est-ce que c'est ça le but, c'est de sauver ma peau ? On est là pour essayer de comprendre les causes qui sont derrière les actes, le pourquoi des choses. Ça ne vous intéresse pas ? Vous préférez vous contenter des abords ? Je reconnais que ce matin, je vous agresse un peu. Je suis un peu ouais, voilà, et on peut bien le faire. Si moi, je le fais pas, qui va le faire ? Qui va le faire ? Imaginez que ce soit des tracts qui soient distribués dans la rue. Et qu'est-ce que vous faites ? Des tracts de Nietzsche, là. Vivre, c'est violenter le faible, l'étranger, l'exploiter, ce qui est encore la solution la plus douce, voire l'exterminer, ce qui est plus franc. Puisque de toute façon, c'est ça la vie. Qu'est-ce que vous faites ? Ces tracts sont distribués dans la rue. Qu'est-ce que vous faites ? Une fois la plongée. Vous dites, ah ben au fond il a raison, métaphysiquement c'est correct. Je signe. Qu'est-ce que vous faites ? Après ça dépend de la personne, comment l'opinion de la personne. Mais ça change le geste. À chaque question que je pourrais toujours vous poser dans l'année, vous pourrez toujours me répondre, ça dépend. Ben oui, mais d'accord, oui. Ça dépend. Mais moi je m'en fous du ça dépend. Toi, vous, qu'est-ce que tu fais ? Chacun a sa propre sensibilité et chacun a sa propre vision. Voilà. Immédiatement, je vous arrête. Si c'est ça, ça sert à rien de philosopher. Si vraiment chacun reste avec son coin, son jardin secret, son opinion, sa sensibilité, très bien. Mais la vie a peu d'intérêt, et la communauté et la communication entre les hommes encore moins. Je vois que ce que vous dites n'est pas à ce point-là caricatural, je sais bien. Mais sachez que l'élan philosophique peut souvent venir d'une volonté de dépasser le chacun ses goûts, de dépasser le relativisme culturel, etc. Tout se vaut, ça dépend des goûts. Je dis attention au relativisme, je dis honte au relativisme. Il n'y a pas de ça dépend. Il y a oui ou il y a non, il n'y a pas de ça dépend. Ça va marcher à un moment, puis après c'est comme tout et ça marchera plus. Ne dis jamais ça en philosophie. Il n'y a pas de c'est comme tout. Il n'y a pas de. T'es très relativiste. C'est comme tout. Il n'y a pas de c'est comme tout. Il y a des choses différentes et il faut essayer de les penser. Je veux pas qu'ils fassent du bof, je veux pas qu'ils fassent de l'entre-deux, d'un côté on peut dire oui, non, je veux qu'ils disent oui ou non à la fin de la copie, après avoir pesé le pour et le contre. Mais oui et non, ça veut dire s'engager totalement. C'est une question de regard. C'est oui et on sent que je peux en dire sur le oui ou non. Donc c'est vraiment une attitude, la philosophie est une attitude encore une fois. Et je leur dis bien ça, c'est une attitude. C'est ça. La philosophie, c'est savoir se tenir droit. Ceux qui sont courbés, avachis, comme beaucoup d'élèves aujourd'hui, courbés, avachis, complètement morts, complètement là, ça marche pas. Il faut pouvoir de temps en temps être droit, être responsable. Dire ça dépend, dire chacun ses goûts, dire chacun son opinion, ça, elle commence à comprendre que c'est triste, quoi, que c'est décevant de penser comme ça. Et donc ça passe, ça je le vois. Elle commence à se dire, non, on va arrêter de dire ça dépend dès qu'il y a une question. On va essayer de se demander s'il n'y a pas une façon de généraliser, une façon de répondre, au-delà du relativisme, quoi. Une sorte d'aspiration à l'universalité, une sorte d'aspiration à la vérité, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses sans se demander pourquoi ? Parce qu'il me semble que... Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question ? Non, je veux que ce soit vous qui répondiez. C'est à vous que je pose la question. Pourquoi je pense que c'est nécessaire de s'interroger sur le pourquoi des choses ? Parce que je pense que mon but n'est pas de me remplir la panse. Que l'être humain a d'autres fonctions que bouffer, chier et dormir. Je pense qu'on n'est pas là pour une vie végétative.
On n'est pas là pour une vie végétative. Moi, je veux comprendre ce qui m'arrive, pourquoi. Et justement, si j'espère rêver, comme vous dites, peut-être changer un petit peu quelque chose. Non pas changer la face du monde, je suis pas... Mais au moins, à petite échelle, vivre ma vie, les relations avec les autres, mon rapport à la nature, vivre les choses, vivre en vérité, authentiquement, d'une manière qui me paraît juste. Moi, j'ai été en terminale il y a 10 ans maintenant, enfin 11 ans, 12 ans, et ça a vraiment changé ma vie. Et je m'en suis rendu compte que longtemps après. Plus tard, souvent, les petites graines qu'on a jetées comme ça... L'air de rien ont poussé, ou du moins, ils y repensent plus tard, parfois peut-être beaucoup plus tard. Mais j'essaye même pas de penser à ça, parce que ça me paraîtrait même un peu prétentieux de me dire, ouais, de toute façon, même ceux qui pour le moment n'écoutent pas plus tard. J'essaye même pas de penser à ça, à vrai dire. Même si je sais qu'on m'a souvent dit, les adultes m'ont souvent dit que ça avait fonctionné comme ça. Chercher quelque chose et que je trouvais pas. C'était toujours, on restait, bon, bah, dans la matière, quoi. Là, on est arrivé avec la philosophie, on pouvait sortir de ça, et moi, je dis, mais les premières, elles se rendent pas compte, quoi, mais maintenant, c'est essentiel. Et moi, des fois, je me dis, ah, mais c'est génial, à partir d'aujourd'hui, j'applique la philosophie de Spinoza, ma vie va changer. Je pense pas que ce soit vrai. Ah, si, moi, si. En plus, peut-être en plus de la religion. C'est une autre dimension qui fait qu'on arrive à vraiment se sentir vivre. Et moi, quand je vois des gens à un mariage, par exemple, je me dis, bon, alors, ils pensent s'aimer, tout ça, mais si ça se trouve, ce garçon, il correspondait à tous ces critères, son déterminisme social, elle a refait le modèle de ses parents, et elle croit l'aimer, et ça se trouve, il y en a 10 qui correspondent. Quand on discute en cours, c'est excellent, quoi. Les discussions, je trouve ça, franchement, on en aborde des questions que jamais on réfléchit là-dessus. C'est trop space, franchement c'est excellent. Ça me donne un œil critique envers les pubs, quoi. Je me dis, faut pas que je me laisse avoir par cette pub. Je regarde ce qu'il y a derrière, quoi. Parce que ce cours-là, il m'avait vraiment marqué, quoi. Alors, est-ce que maintenant tu considères donc que tu es moins influençable et peut-être plus libre? Ouais, je pense que ouais. Je pense que les publicitaires, ils arrivent moins sur moi à avoir d'accroche. Je vais moins acheter des choses que je vois à la publicité pour m'empresser. Oh, ils sont sortis ça, il faut que j'aille l'acheter et puis tout. Je vais prendre un œil plus critique envers ça. C'est un style de vie, c'est-à-dire que quand on pense philosophie, c'est que on essaye de voir plus loin, on est moins dans l'opinion, dans les préjugés, et je pense que c'est quelque chose quand même qui est intéressant, parce qu'on va plus loin dans la réflexion, on se dit oui quand même, ça, on met en rapport, et maintenant quand on parle, c'est plus aussi... disons que c'était pas futile quand on parlait avant, mais disons que c'est plus raisonné, on sait de quoi on parle, et puis même si on sait pas, après on cherche, on va essayer de voir plus loin, quoi. Rester tout seul. Faut qu'il y ait un qui se dévoue là. Hein, je viens de Paris aussi, je suis dans le même collège Pierre-Alvier, je suis en 4e D. D, d'accord. Moi c'est Sophie, pareil, même collège, mais en 4e C. Moi c'est Benoît, j'habite à Arcueil, et pareil, le collège du 6 septembre, 4e. Et 4e, il n'y a que des 4e là aujourd'hui? Oui. Ah, ça va, une grande unité. Les gens de la revue sont venus me trouver en m'en proposant ça. Je me demandais si c'était possible, et donc j'ai voulu voir. Si je leur avais dit, je veux bien, mais on verra si ça marche. Si ça marche pas, on arrêtera vite les frais. Et oui, c'était un peu une question de curiosité de pédagogue, à la limite. Et puis j'ajouterais que, un petit peu avec plus de malignité, que comme j'ai quand même de nombreux collègues, y compris prestigieux, qui ont pendant des années fait des proclamations sur la nécessité d'enseigner la philosophie. Plutôt que la classe de terminale et qu'ils l'ont jamais fait, je voulais voir si je pouvais le faire. Qu'est-ce qui rend heureux?
Qu'est-ce qui rend heureux? Voilà, c'est ça, c'est le sujet. Il y a des gens, ils vont se réveiller le matin, ils seront heureux parce qu'ils entendront les oiseaux qui chantent dehors. Il y en a qui vont être heureux parce qu'il pleut. Il y en a qui vont être heureux parce qu'il fait beau, parce qu'il y a des nuages, parce qu'il y a du soleil. Ah, ils sont heureux, là, attends, ils sont heureux pourquoi? Parce que les oiseaux, ils chantent toujours pareil, la pluie, il y en a un jour sur deux. Alors, parce qu'ils peuvent aimer quand même. C'est pas des raisons, ça. Oui, ils peuvent aimer cette chose-là, c'est comme aimer regarder un coucher de soleil. Pas qu'ils ont aimer regarder un coucher de soleil, c'est... On a fait plaisir, quoi. Pas qu'ils sont heureux tout simplement d'être en vie et d'être vivants et que la vie... Il y en a qui, ça peut être ça, mais il y en a aussi, ça peut être autre chose. Parce que l'oiseau, tous les jours, il chante son truc. Et alors, ça peut faire plaisir à chaque fois. Tu dis, il s'en fout l'oiseau. Non, mais parfois quand t'approches. Il fait son boulot d'oiseau, il chante quoi. Mais c'est pas son boulot de chanter. C'est pas, voilà, et il est heureux de se chanter. Il a plaisir de chanter. C'est fondamentalement un exercice philosophique. C'est vraiment, on est en plein dans le dialogue, dans un dialogue socratique, mais en direct. Reprenons le truc de l'oiseau. Hein, le chant de l'oiseau me remplit d'une joie profonde. Bon. Le problème, c'est est-ce que l'oiseau, il est là tous les jours à 7h du matin? Bon, alors non. À ce moment-là, je fais comme l'empereur de Chine. Je vais me faire acheter les oiseaux les plus rares du monde et puis les faire dresser pour qu'ils chantent tous les jours à 7h du matin. Bon, le problème, c'est que mais c'est pas forcément simple. Oui, mais le problème, c'est que mon oiseau, même si je le dresse, même s'il est cher, il va crever un jour, donc il faudra que je le remplace, etc. Donc, si tu veux, c'est pas un bien qui dépend entièrement de moi. Et donc, t'as des philosophes qui vont dire, débrouillez-vous pour ne dépendre que... Pour trouver votre bonheur dans les biens qui dépendent entièrement de vous. À ce moment, on réduit pas mal son entourage de vie, parce que si... Bien sûr, si on doit prendre que des bonheurs matériels et qui ne s'épuisent pas, ça restera quand même beaucoup de choix. Oui, ils peuvent arriver à des distinctions extrêmement subtiles. Moi, je suis sensible au fait qu'ils ont quand même du mal à tenir un long raisonnement abstrait, ça c'est sûr. Enfin, disons que c'est pas le seul. Il y a plein d'adultes qui n'y arrivent pas du tout non plus. Mais en revanche, ils ont une sorte de candeur métaphysique par moment, une sorte d'esprit sans trop de préjugés encore.